Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle qui est destinée à ceux et celles d'entre vous qui commençaient l'aquarelle. Parce que bon, j'ai fait quelques aquarelles qui étaient avancées, voire bien avancées. Donc bon, je rééquilibre un petit peu pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Vous avez les couleurs qui sont indicatives, hein, bien sûr. L'esquisse, elle est disponible dans la description. Voilà, si vous avez des soucis pour dessiner la barque, etc. Il y a pas de problème. Vous mouillez le haut de votre aquarelle, c'est-à-dire au-dessus de la ligne horizontale. Et par contre, faites attention de ne pas dépasser parce que la peinture va où il y a de l'eau. Voilà. Donc, j'ai fait du bleu. Alors, prenez n'importe quel bleu, le bleu que vous avez. Et donc, ce bleu, j'ai mélangé un petit peu de rose. Bah, si vous n'avez pas de rose, vous pouvez mélanger avec du rouge, de manière à avoir un violet. Et je commence par le bleu. Et ensuite, donc, je fais des espèces de zigzags, hein, si vous voulez, irréguliers. Alors, en diagonale, parce que ça suggère du vent, c'est un peu plus dynamique qu'horizontal. C'est plus facile aussi à faire. Et une fois que vous avez posé votre bleu, là où vous avez envie qu'il soit, vous laissez du blanc, hein, bien sûr, et vous ajoutez un petit peu de violet, là où vous avez envie, de manière à ce que ça fasse donc votre ciel. En sachant qu'il faut faire attention de mettre du violet au moins pâle sur la ligne d'horizon. Alors comme c'est du mouillé, ça se verra, on ne verra pas la trace. Il faut le faire de façon irrégulière, de manière à, voilà, à avoir votre ciel. Et vous laissez sécher et vous touchez plus. Et donc pendant que ça sèche, on va faire la plage. Donc la plage, on mouille. Voilà. Là c'est pareil, on essaie de faire d'être soigneux par rapport au liseré du rivage, pour ne pas avoir une ligne horizontale. On essaie de ne pas mouiller la barque, parce que si vous mouillez la barque, ça vous limitera après par rapport aux couleurs hein, de la barque. Vous serez obligé de la faire enfoncer, voilà, c'est tout. Et ensuite, on met, donc moi j'ai utilisé la terre de sienne naturelle et de la terre de sienne brûlée, parce que les deux ensemble, bah, ça suggère bien le sable. Voilà. Et si vous regardez, je ne le peins pas horizontalement, je le peins alors plutôt en diagonale, mais aussi par touche, parce qu'il y a des moments où voilà, je pose ma couleur sur le pinceau. Des fois, je mets de la terre de sienne brûlée, des fois de la terre de sienne naturelle. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Et alors, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que ce soit irrégulier pour donner des nuances. Si vous avez un petit peu d'eau qui coule comme j'avais, vous prenez un essuie-tout et vous essuyez de manière à ne pas laisser d'eau, quoi. Et par contre, vous laissez bien, bien sécher parce que sinon, c'est une catastrophe. Si vous n'attendez pas que ça sèche. Ensuite, vous prenez une feuille, n'importe quelle feuille, une feuille de brouillon. Vous la mettez bien sur la longueur de votre ligne d'horizon. Vous prenez un pinceau, moi j'ai pris un pinceau numéro 2, un peu plus fin. Vous prenez votre violet que vous avez utilisé tout à l'heure, que vous mouillez pas trop. Donc, normalement, il a commencé à sécher, donc il est un peu plus foncé. Et vous faites une petite ligne irrégulière. Sur le long de votre côte, hein, en mettant des petites pointes, etc., pour suggérer de la végétation ou de village. Et j'espère qu'il ne fera pas comme moi, parce que moi, en mettant la feuille, elle a été me prendre un peu de couleur sur la palette. Je ne l'ai pas vue, je m'en suis mis plein les doigts, enfin bon, bref. Je m'en suis aperçue en faisant, sauf que voilà, si ça vous arrive, vous avez vu, faut rester stoïque jusqu'au bout, parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est un peu délicat on verra le raccord. Donc vous finissez votre côte et puis bah, après, voilà, vous allez vous laver les mains. Alors, pendant que ça sèche, si vous avez un petit peu peur, bah, vous laissez sécher. Vous prenez un pinceau, alors si vous avez un pinceau plat, c'est mieux, bah, sinon ça peut se faire aussi avec un pinceau rond. Vous mouillez la partie donc entre ce que vous venez de faire et la plage. Et donc on va faire la mer. Donc la mer, c'est du bleu, toujours le même bleu, hein, auquel j'ajoute un petit peu de, enfin mon rose. Donc voilà, c'est ce que vous avez utilisé. Et alors pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de prendre un mauve par exemple ou un bleu foncé? Déjà parce que c'est des couleurs qui sont déjà présentes dans l'aquarelle, hein, dans le ciel, sur le village, là, sur la côte et dans la mer. Donc déjà, il y a une unité je veux dire, voilà, de couleurs qui vous crée l'harmonie. Et ensuite, bah, parce que si vous prenez deux couleurs que vous mélangez, quand vous peignez, si vous regardez, ça vous donne des nuances toutes seules. L'aquarelle fait son job toute seule, en fait.
Et donc, ça va vous donner des nuances plutôt bleues à certains endroits, plutôt mauves, des fois un peu plus roses, etc. Vous avez des nuances qui se font toutes seules. Voilà. Et là, à un moment donné, si vous avez vu, j'ai changé de pinceau parce que ça faisait un trait d'illustration au-dessus. Donc, j'ai pris un pinceau rond parce que moi, je suis plus habile avec le pinceau rond pour finir ma bordure. La seule chose à faire, c'est de ne pas amener d'eau, en fait. Donc là, c'est pareil, vous avez vu, j'avais le pinceau dans la main, je ne l'ai pas trempé. Je l'ai juste allé chercher un petit peu de peinture pour finir le liseré comme il faut. Mais surtout, je n'ai pas apporté d'eau. Si vous apportez d'eau, là, vous allez avoir une auréole. Et voilà, donc là, vous avez votre mer, tranquille. Et pendant que la mer sèche, vous humidifiez. Alors attention, il ne faut pas mettre moins d'eau que ce que vous avez mis pour le ciel ou la plage tout à l'heure. C'est juste humide. Et vous prenez votre pinceau numéro 10, vous prenez du vert. Moi, j'ai pris du vert olive. Voilà, c'est celui que j'avais sur les doigts tout à l'heure. Mais n'importe quel vert convient à partir du moment où il vous plaît. Hein. Si vous n'avez pas de vert, prenez du vert, du jaune et du bleu. Et donc, vous faites votre petit peu de végétation. Vous savez, moi je connais surtout les plages de Bretagne. Et en fait, vous avez parfois pour accéder à la plage, vous passez par le sentier des douaniers, etc. Donc, au-dessus, il peut y avoir de la végétation avec des fois des sentiers de randonnée. Et voilà, c'est ce qu'on veut suggérer, que la plage est peut-être un peu plus... Il y a la végétation, on arrive à la plage. Donc, vous mettez votre vert et ensuite, vous mettez le marron. Donc, le marron, c'est la terre de sienne brûlée avec une pointe de bleu que vous mettez plutôt en bas. Et vous ajoutez du vert foncé. Alors là, c'est pareil. N'allez pas chercher du vert plus foncé dans votre tube ou votre palette. Ou voilà. Vous prenez le vert que vous venez d'utiliser, vous y ajoutez du bleu. Et le bleu que vous avez utilisé pour le ciel déjà. Voilà. De la même façon, dans une aquarelle, on essaie de ne pas avoir trop de couleurs. C'est une question d'harmonie. Hein. Voilà. Et donc, en sachant que quand vous passez votre pinceau, avec la pointe, des fois vous dépassez, de manière à suggérer des petites herbes. Et ensuite, vous prenez un pinceau fin, qui le 2, si vous avez, du 1, ça va bien aussi. Moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle un rigueur, c'est-à-dire que c'est un pinceau qui a une pointe très très longue, et bon, qui est commode pour faire ce genre de choses, mais pinceau rond, ça va très bien. Et vous trempez votre petit pinceau, alors soit dans le vert, soit dans le vert foncé, soit avec de la terre de sienne brûlée, enfin voilà, vous variez les couleurs, et vous faites vos petites herbes, de hauteurs différentes, d'orientations différentes, en sachant qu'il y en a qui poussent plutôt au bord, c'est celles qui dépassent, qu'on voit sur le... Et il y en a qui poussent plus près de nous, donc celle-là, elle ne dépasse pas. J'ai fait un tuto aussi sur comment on peut faire des herbes justement au premier plan. Et donc vous faites vos petites herbes, tranquilles, donc en variant les couleurs, hein, puisque ça donne... un aspect un peu plus naturel. Et ensuite, pendant que ça sèche, on prend, donc c'est toujours le même violet. Hein. Alors je suis désolée pour le soleil qui entre par la fenêtre, mais j'ai beau, mis à part fermer complètement les volets, j'ai du mal à le contenir l'après-midi. Alors on prend du violet, en sachant que c'est le même, le rose et le bleu, hein, sauf que là, il y a moins d'eau que tout à l'heure. Et vous faites délicatement votre liseré. Ensuite, vous mouillez votre pinceau. Enfin, vous le rincez. Et vous ne l'essuyez pas. Et vous le passez comme ça, tranquillement. Mais alors, par contre, il ne faut pas attendre parce que forcément, ça sèche. Et vous le passez, en fait, le long de votre liseré. Et ça a pour effet, forcément, de diffuser la peinture. Vous le re-rincez à nouveau, hein, de manière à aborder l'eau froide. Et vous adoucissez la limite... du violet. Et du coup, ça vous suggère en fait, l'eau, vous savez, quand les vagues sur le rivage, elles vont et viennent, et ça vous suggère l'eau, en fait, hein, puisque de la mer. Voilà. Alors, après, vous faites votre barque. Donc, si elle est restée blanche, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi, j'ai utilisé le rose que j'utilisais dans le ciel et dans la mer. Hein, et coupé avec un petit peu de bleu parce que je voulais pas une barque rose. Et ensuite, en bas, j'ai mis du bleu, le bleu de cobalt, hein, le bleu que j'ai utilisé pour faire la mer. Encore une fois, les couleurs, elles sont indicatives. Hein. En fait, il vous faut un bleu, un rouge ou un rose, un jaune, parce que la terre de sienne naturelle, alors c'est un jaune, voilà, qui ne sert pas à faire du vert, mais c'est un jaune. Un vert, si vous pouvez, sauf si vous avez un vrai jaune, vous pouvez faire du vert avec.
Voilà, et un petit peu de gouache blanche, hein, c'est tout. Alors ensuite, si vous avez une éponge naturelle, un bout d'éponge, voilà, alors moi je l'ai coupé en petit parce que c'est plus facile quand on a à faire des petites choses. Vous prenez votre éponge, vous l'humidifiez, vous la trempez dans la peinture et vous faites délicatement. Vous la posez délicatement, vous avez vu, ça fait les petites herbes, le haut des petites herbes. Et vous en mettez aussi à l'intérieur, enfin au premier plan, de manière à donner, à suggérer un foisonnement d'herbes. Parce que c'est ça, en fait. Voilà. Ensuite, alors là c'est pareil, hein, c'est à partir de là c'est facultatif, faites ce que vous avez, ce que vous sentez de faire. Vous prenez alors, un pinceau rond ou un pinceau plat, vous y mettez du bleu et par contre vous l'essuyez, c'est-à-dire qu'en fait, faites un essai sur une feuille avant, il faut vraiment qu'il soit très peu chargé de peinture, vous avez vu, moi je l'essuie souvent, parce que sinon ça va vous faire des traits trop épais, trop larges, ça ne fera pas joli. Voilà. Donc ça, moi honnêtement, enfin, je trouvais que ça portait pas grand-chose. Voilà, si vous voulez faire des vagues, faites des vagues. Et ensuite, alors, au niveau de la plage, vous prenez donc du marron, c'est en fait la terre de sienne hein, brûlée, avec plus ou moins de bleu. Vous trempez bien votre pinceau, vous l'essuyez bien. Si vous regardez le chiffon, il est à gauche. Hein. J'ai essuyé mon pinceau et vous y passez le plat du pinceau, donc à sec. Et ça va vous faire des marques. Vous faites comme si vous l'essuyez, mais évidemment de façon irrégulière, de manière à ce que ça vous donne des marques sur le sable. Voilà. Et on fera pareil tout à l'heure pour les algues, c'est-à-dire que il y a des algues sur les plages. Hein. Et donc, vous prenez votre verre et vous faites exactement pareil. Vous trempez votre pinceau, le plat du pinceau, la tranche du pinceau dans le verre, vous l'essuyez et vous passez. Ça vous fait comme si c'était des algues, qui, voilà, une fois que la marée s'est retirée. Voilà. Alors, au niveau de la barque, bah, après, vous la peignez vous avez envie. Moi, je l'ai, l'ombre, je l'ai faite avec le violet, hein, c'est toujours pareil, le rose et le bleu, mais un peu plus prononcé, de manière à suggérer que la lumière vient de gauche. Et ensuite, donc, on prend de la gouache blanche ou du blanc de titane. Le blanc de titane, c'est de l'aquarelle blanche opaque et à 100 mètres d'eau, parce que regardez, je n'ai pas mouillé le pinceau. Vous la mettez sur la tranche du pinceau et délicatement, hein, le long du liseré, vous déposez votre écume. Et pour les vagues, c'est le même principe. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter le piquet qui sert à amarrer la barque et puis quelques oiseaux. J'ai même fait une mouette à droite avec la gouache. Bon, voilà. Enfin, avec le titane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez du plaisir à la faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.